Au départ, on ne pensait pas changer l'orgue tel qu'il est. Mais une paroisse suisse de Baden, une paroisse protestante, nous a fait don d'un orgue que nous sommes allés chercher il y a 3 ans et qui est entreposé ici à Besançon. Actuellement, il y a ici dans ce temple un orgue de Calinet qui est un orgue du 18e à un seul clavier et 12 jeux qui, comme tous les orgues de l'époque, a été plus ou moins trafiqué. Enfin, ça, c'est une autre question. Alors maintenant, nous avons tout ce matériel ici sur place et qui représente déjà un capital de près de 20 millions. Après avoir refait l'intérieur du temple, nous allons attaquer la rénovation des orgues. Et nous avons demandé pour cela la participation de la fabrique d'orgues de Strasbourg, Mühlhausen, qui nous a envoyé des devis. Cet orgue serait un orgue de 33 jeux. Il sera déplacé, il sera mis face à au public, aux fidèles plutôt que derrière, et on aura ainsi un des plus beaux orgues de la région. D'autre part, nous n'avons pu le passer à la douane que grâce aux accords passés avec l'UNESCO, cet orgue servante à la culture. Oui, à ce sujet, je crois qu'il y a quelque chose d'important et de nouveau. Je crois que l'école de musique de Besançon est très intéressée par cette opération. En effet, Monsieur André Covin, directeur du conservatoire, se félicite de cette installation d'orgue qui permettrait de créer une classe n'existant pas au conservatoire, la classe d'orgue, qui fait partie des disciplines des conservatoires régionaux. D'autre part, qui dit région ne dit pas uniquement Besançon. Cet orgue aura donc un rayonnement sur toute la région et permettra de faire venir ici les grands organistes qui donneront des concerts, ce qui permettra de faire des choses merveilleuses qui n'ont pu être faites jusqu'à maintenant. Monsieur Besson, vous êtes président du conseil presbytéral et je suppose qu'une opération de cette envergure pose tout de même certains problèmes. Effectivement, une opération de cette envergure pose un nombre de problèmes importants. Le premier problème qui vient à l'esprit, c'est le coût de l'opération. Monsieur Choumara vient de le préciser, la paroisse fait un apport d'une 20aine de millions. Pour installer cet orgue, il faut comptait environ 15 millions. Donc la paroisse de Besançon doit trouver, elle, la somme de 15 millions. Nous étudions différentes possibilités de trouver ces 15 millions. Nous pensons, nous avons de bon espoir, qu'une partie de cette somme sera trouvée dans les mois qui vont venir. Mais il nous reste encore une somme supplémentaire à trouver pour pouvoir démarrer ces travaux. Est-ce que les fidèles ne vont pas participer, Monsieur le Pasteur, à cette opération qui est après tout la leur? Très naturellement, les fidèles de la paroisse de Besançon, de l'église réformée, seront appelés à participer à cette opération. Mais pour eux, elle est évidemment très importante, je dirais même considérable. En effet, il y a environ à Besançon 1 millier de familles protestantes seulement, ce qui correspond du reste à la proportion des protestants dans notre pays. Un gros effort a déjà été accompli par la paroisse pour la rénovation du temple, mais nous sommes bien sûr disposés à faire le maximum pour cette deuxième tranche de travaux pour la rénovation de cet orgue qui sera indispensable à notre culte, mais aussi, comme on l'a rappelé, à notre région, à notre cité également.